نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا اللهم أمين. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours, ce nouveau cours de Vivre le Coran, dans lequel nous allons essayer de vivre le verset 12 de Sourate al-Mulk et essayer de devenir min ahli hadil ayah, devenir des gens et des adeptes de ce verset. Nous allons commencer par lire le verset, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الله سبحانه وتعالى nous dit: ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. Donc le but de ce cours, c'est de devenir un adepte de ce verset, de comprendre ce verset, le méditer, le mémoriser, le mettre en pratique, le mémoriser, puis l'enseigner. Objectif du cours, comme dans tous les cours de Vivre le Coran, c'est de devenir un adepte du verset en appliquant deux hadiths. Le premier hadith, c'est dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'image du croyant qui récite le Coran et l'applique est celui de l'orange ou d'un fruit sucré qui a une bonne odeur. Son odeur est bonne et il a bon goût. L'image du croyant qui ne récite pas le Coran et le met en pratique est celle de la date. Elle n'a pas d'odeur, mais son goût est sucré. Donc on voit bien que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la qualité principale pour être parmi les gens du Coran, c'est l'application du Coran. Et on ne veut pas être, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, l'image de l'hypocrite. Donc là on a le mot hypocrite qui récite le Coran, mais qui ne le met pas en pratique, est celui d'une plante aromatique, donc le basilic. Il a une bonne odeur, mais son goût est amer. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que celui qui met en pratique le Coran sans le mémoriser ou sans le lire est préférable à celui qui mémorise ou lit le Coran sans le mettre en pratique. Donc nous, on veut au minimum mettre en pratique le Coran pour devenir une date. Si on peut le mémoriser, on deviendra un fruit sucré ayant une bonne odeur, et par la suite on va l'enseigner pour pouvoir faire partie de la première catégorie, qui est le meilleur d'entre vous, celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Donc le meilleur d'entre vous est celui qui apprend et enseigne les sens du Coran ainsi que ses mots. Alors vivre un verset, qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est purifier son intention. Nous apprenons la science pour la mettre en pratique, premièrement, et simplement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a une intention sincère, il aura les récompenses, car Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans sa hadith: « Innama al-a'malu bin-niyyat », les actes ne valent que par leurs intentions. Il faut la lire avec les yeux, pour que son message atteigne notre cœur. Et il faut savoir également la réciter avec tajwid. Comme je vous ai dit dans un cours précédent, réciter avec tajwid, ce n'est pas obligatoirement de prendre des cours de tajwid, mais c'est le fait d'avoir un ami, un proche qui connaît et qui sait réciter ce verset-là avec tajwid. On lui demande de nous écouter et il nous corrige. Il faut écouter ce verset plusieurs fois avec les oreilles pour que son message atteigne notre cœur, toujours avec l'intention de mettre en application. Et c'est la différence d'ailleurs entre Al-Qira'a wa At-Tilawa. Donc Al-Qira'a, c'est la lecture, et At-Tilawa, c'est la récitation. En arabe, At-Tilawa, ça vient min Tala Yatlu, qui a le sens de suivi. Donc celui qui Yatlu al-Qur'an, celui qui récite le Coran, il récite le Coran en ayant l'intention de le suivre, de suivre sa pratique. Ensuite, il y a le fait de comprendre le verset, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Le méditer pour pouvoir le mettre en pratique, et là on deviendra une date.
D'accord, là on deviendra une date. Ensuite, on le mémorise, on deviendra un fruit sucré qui a une bonne odeur, et ensuite on l'enseignera pour pouvoir faire partie du meilleur d'entre la communauté musulmane. On commence par la lecture du verset, Inch'Allah. Prenez un peu de temps pour le lire, que ce soit en français ou en arabe. À mon tour de le lire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Inna alladhina yakhshawna rabbahum bilghayb lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. Compréhension du verset. Compréhension générale du verset. On doit se poser la question quand on lit un verset. Qu'est-ce qu'Allah veut de nous? Qu'est-ce qu'on comprend de nous de ce verset-là? Si un homme dans la rue nous interpelle et nous dit « J'ai reçu une lettre, mais je ne la comprends pas, j'ai reçu un message. Est-ce que vous pouvez m'expliquer rapidement ?» Et que vous lisez cette lettre-là et vous voyez « Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une récompense. » Qu'est-ce que vous allez répondre à cette personne? On peut répondre « Ce verset annonce le pardon et une grande récompense à ceux qui craignent Allah lorsque personne ne les voit, sauf Allah. » D'accord ? Donc, en gros, ce verset s'adresse et annonce la bonne nouvelle à ceux qui craignent Allah lorsqu'ils sont tout seuls. Ce qu'on appelle « al-muttaqin », ceux qui font partie donc des pieux et ceux qui ont ce qu'on appelle la « taqwa ». Compréhension maintenant, mot par mot. Alors, « inna alladhi ». Inna, ce qu'on appelle harf at-tawkid. On le traduit en français par certes, mais c'est pour appuyer le sens de ce qui vient après. Alladhina, c'est donc ceux. Certes ceux. Yakhshawun, ceux qui redoutent, ceux qui craignent. Ceux qui craignent leur Seigneur. Et al-khashya. Al-khashya, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ce qu'on appelle la crainte. Mais c'est pas n'importe quelle crainte, c'est pas n'importe quelle peur. C'est une peur qui vient d'une connaissance. C'est celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît, qui sait qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il se doit. Cette personne-là a la crainte, d'accord? Et cette crainte-là, elle va amener à un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et à le glorifier. Et à le glorifier. Donc dans ce mot yakhshawna, il y a tous les piliers de l'adoration. On adore Allah subhanahu wa ta'ala par amour, premièrement, avec science. On adore Allah subhanahu wa ta'ala par crainte et par espoir. Et les savants nous donnent l'exemple de l'oiseau. C'est-à-dire que le musulman qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, il doit l'adorer comme si l'amour était le corps de l'oiseau et la crainte était la première aile. Et l'espoir était la deuxième aile. Donc pour que l'oiseau vole droit, il faut que les deux ailes soient à l'équilibre. Si la personne craint plus Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a d'espoir, il ne vit plus, donc l'oiseau vole sur un côté. Si c'est l'inverse, si la personne a trop d'espoir et qu'il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, et bien l'oiseau également penche d'un côté. Donc on répète, inna alladhina yakhshawun, ceux qui craignent Allah, mais cette crainte-là, donc, elle est faite par connaissance. Ça nous pousse à vouloir s'informer sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette crainte, donc, elle va avoir comme conséquence l'amour et la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a cette crainte-là, donc, il craint qu'Allah n'accepte pas ses actes. Et il craint que ses actes soient tous annulés s'il le désobéit. Rabbahum, donc leur Seigneur. Rabb, je vais vous mettre le petit stylet, pointeur laser. Donc, Rabbahum, ça se coupe en deux. Rabb plus hum. Rabb, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est celui qui crée, c'est celui qui nourrit, qui donne la subsistance, c'est celui qui gère tout. Al-Muhim, Rabb, c'est le grand Seigneur. Et hum, c'est leur Seigneur, donc ceux qui craignent leur Seigneur. Et beaucoup de savants nous disent que
dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de crainte, parle d'adoration, il utilise le mot Allah. Et quand il parle de bienfait, il utilise le mot Rabb. Et là donc, celui qui médite sur le verset, il peut se dire que ça aurait été mieux d'utiliser le mot Allah, car on est dans un contexte de crainte. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé Rabb. Pourquoi? Pour venir avec de la miséricorde et annoncer la bonne nouvelle à ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Bil Ra'ib. Alors, Bil Ra'ib, c'est composé de Bi, Harf Jar, El Alif Lam, qui veut dire le l'allait, et El Ra'ib, qui est l'invisible. Donc, ceux qui craignent Allah par l'invisible. Et là, les savants, ils donnent trois définitions. Trois compréhensions de cette chose-là. Ils disent premièrement ceux qui craignent ce dont Allah a informé de l'invisible, ceux qui craignent l'enfer, ceux qui craignent le châtiment de la tombe. Tout ce qui fait peur de l'invisible, ceux qui craignent ces choses-là, ils sont concernés par ce verset-là. Ensuite, la deuxième interprétation de ce verset-là, c'est ceux qui craignent Allah lorsqu'ils sont seuls, bil-ra'im, donc qui ne sont pas visibles, sauf par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième, ceux qui craignent Allah alors qu'ils ne l'ont pas vu. Car Allah également fait partie de l'invisible. Personne n'a vu Allah. On voit Allah par sa création, par ses signes, mais personne ne l'a vu directement. Donc, il y a trois significations par rapport à ce verset-là. Et les savants ils disent que, en fait, le sens le plus sûr, c'est le deuxième, car il est confirmé par les versets qui viennent par la suite, on le verra tout à l'heure, mais que les trois peuvent être compris, parce qu'il n'y a pas d'opposition entre ces trois versets-là, ces trois compréhensions-là. Donc, ceux qui craignent Allah par rapport à ce qu'il a informé de l'invisible, ceux qui craignent Allah alors qu'ils sont tout seuls, qu'ils ne sont pas visibles des gens, et ceux qui craignent Allah alors que Allah également fait partie de l'invisible. Donc, celui qui est tout seul, qui craint l'invisible et qui craint Allah, qu'est-ce qu'il aura? Lahoum, donc cela, lahoum, c'est le lem, ce qu'on appelle hafajar également, mais qui exprime la possession. Et hum, c'est il aura, ils auront. Al-maghfira. Al-maghfira, c'est le pardon. Et qu'est-ce que al-maghfira exactement en arabe? Donc c'est. Ça a deux conséquences. Allah subhanahu wa ta'ala va le cacher, il va le préserver, ce qu'on appelle as-sitr fi dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas montrer aux autres personnes qu'il fait des péchés. Plus les conséquences négatives de ces péchés seront effacées dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de conséquences de ces péchés. On sait que certains péchés peuvent avoir comme conséquence une diminution du rizq. Certains péchés peuvent avoir comme conséquence un châtiment dans l'au-delà. Et bien Allah, s'il accorde Al-Maghfira, c'est-à-dire que Allah, il va le protéger, il va pas le protéger, il va le cacher, il va pas dévoiler ses péchés aux yeux de tout le monde, et il va effacer les conséquences négatives de ses péchés. Et le musulman, juste pour une précision, donc il doit demander Al-Maghfira et Al-Afu. Al-Afu, qu'est-ce que c'est? C'est également traduit par le pardon, mais Al-Afu, ça a pour conséquence que Allah, il efface des feuillets tous nos péchés. Donc, le musulman, il doit le demander Al-Maghfira ou Al-Afu. Al-Afu, qui est vraiment le pardon suprême. Wa ajrun kabir. Donc, ils auront Al-Maghfira, le pardon, wa harf al-jar, et ajrun, une récompense, kabir, une grande récompense. Et en arabe, quand on utilise ajrun qui est nakira, c'est-à-dire qui est indéfini, on n'a pas el-ajr, on n'a pas la récompense. Mais on a ajrun, donc c'est un nakira, c'est indéfini, c'est-à-dire que c'est au niveau quantitatif, c'est extrême, c'est énorme, c'est beaucoup, une grande récompense, très grande récompense. Et kabir, donc. Kabir, c'est vraiment également donc une grande récompense. Et dans le mot kabir également, il y a le mot de purification, une récompense pure et une énorme purification. Une énorme récompense, excusez-moi. Alors par rapport au contexte,
Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle ce verset-là en opposition à ceux qui ne craignent pas Allah. Allah nous dit, ceux qui ont mécru à leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer. Ceux qui ont mécru à leur Seigneur, donc qui ne craignent pas Allah. Et quelle mauvaise destination. Quand ils y seront jetés, ils entendront un gémissement tandis qu'ils bouillonnent. Donc là, il y a une description de tout ce que va subir ceux qui rentrent en enfer. Peu s'en faut que de rage il n'éclate. Donc l'enfer, il est tellement énervé contre ces gens-là lorsqu'ils rentrent en enfer qu'il est à la limite de l'éclatement. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent « Quoi, ne vous est-il pas venu un avertisseur ?» Ils dirent « Mais si, un avertisseur nous était venu, certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit « Allah n'a rien fait descendre. Vous êtes que dans un grand écarement. » Et ils dirent « Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Ils ont reconnu leur péché, mais c'est trop tard. Que les gens de la fournaise soient anéantis. » Ensuite, en opposition, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les gens qui craignent leur Seigneur, les gens qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, eux auront un pardon et une grande récompense. Et les versets suivants, « Que vous cachiez votre parole ou la divulguez, il connaît bien le contenu des poitrines. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur ?» Ce sont ces versets-là qui poussent les savants à nous dire que ce qui est voulu par ce verset, donc, c'est ceux qui craignent leur Seigneur alors qu'ils sont tout seuls. Pourquoi ? Ils sont tout seuls, mais ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout, et c'est tout sur eux, car c'est lui qui les a créés. Quelques profits de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé le présent. Inna alladhina yakhshawna rabbahum, ceux qui craignent. Et le présent, quand il est utilisé en arabe, ça exprime la continuité, c'est-à-dire ceux qui craignent partout. Partout au niveau du temps, au niveau du lieu, excusez-moi, et tout le temps. Tu crains Allah quand tu es chez toi, tu crains Allah quand tu es en famille, tu crains Allah quand tu es tout seul, tu crains Allah quand tu es au travail, tout le temps. Et partout, dans la rue, à la maison, etc., tu dois craindre tout le temps Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci vient corroborer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit « Ittaqullaha haythuma kunt » Donc craignez Allah, crains Allah où que tu sois. D'accord ? Il faut craindre Allah tout le temps. Il y a également donc de l'intimidation et de l'amour. Inna alladhina yakhshawn, ceux qui craignent, ça intimide, ça donne la peur. Non? Et Allah subhanahu wa ta'ala vient avec le mot rabbahum, leur Seigneur, celui qui l'a tout donné, celui qui les a créés. Donc ça nous explique que le musulman, lorsqu'il fait da'wah, il doit utiliser les deux usloub, les deux méthodologies, ce qu'on appelle usloub targhib ou tarhib. Le fait de donner de la peur, de la crainte, avec innal ladina yakhshawn, et ensuite de l'amour avec rabbahum, ce qu'on appelle tarib, leur donner envie de faire cette chose-là, de craindre Allah. Et donc lahum maghfiratu, ils auront un pardon particulier. Il y a un pardon général qui va toucher tous les musulmans, la majorité des musulmans, mais là il y a un pardon particulier pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et vraiment une grande récompense, une récompense illimitée. Leçon générale de la sourate. Alors, quand on comprend, maintenant qu'on a compris le verset, on doit se dire qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Et là, c'est assez simple. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala veut que l'on le redoute, qu'on le craigne lorsqu'on est tout seul. D'accord ? Qu'on le craigne lorsque l'on est tout seul, on pense à l'enfer, au châtiment de la tombe. Lorsqu'on est tout seul, on pense à Allah. Lorsqu'on est tout seul, on se dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Nous ne sommes en réalité jamais tout seuls. Donc par ce verset, Allah, il veut que je fasse partie de ceux qui le craignent, des muttaqin. Alors, il faut que je craigne Allah lorsque je me trouve seul. Il faut que quand je suis seul, je sois meilleur que devant les gens. Il y a le principe de sincérité également qui joue. Et de l'ihsan. L'ihsan, c'est craindre Allah où que l'on soit, car même si nous, on ne le voit pas, il faut savoir que lui, il nous voit. Nous allons ensuite méditer. Parler de méditation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement nous dire donc comment on va passer de cette information. Je sais qu'il faut que je craigne Allah, mais comment je vais pouvoir mettre en application cette recommandation. Donc en premier, c'est se poser la question
où j'en suis par rapport à cette recommandation. Est-ce que je crains Allah? Donc désolé, là il y a une faute, car je l'ai pris d'un autre slide. Donc voilà, donc ok, donc je le referai inshallah. Donc là c'est où en es-tu par rapport à cette recommandation? C'est le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc est-ce que tu crains Allah lorsque tu es tout seul ou non? Sois sincère, prends un peu de temps, essaye de te remémorer certaines choses que tu fais lorsque tu es tout seul. Est-ce que ces choses-là te font rentrer dans le cercle de ceux qui craignent Allah ou non? Ensuite, il y a les récompenses de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui réfléchit sur les récompenses de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont en général le craindre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans plusieurs versets, donc il nous excusez-moi, il nous dit que ceux qui craignent Allah, ils font partie des muttaqin, et les muttaqin, ils ont beaucoup de récompenses. Les muttaqin, ils ont le paradis. Les muttaqin, ils ont un grand pardon. Les muttaqin, ils ont une grande récompense. Les muttaqin, ils ont des jardins au paradis, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous avons certes donné à Moussa et Haroun al-Furqan, le discernement, et une lumière et une évocation pour les pieux. Et qui sont ces pieux? Sont alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib, ceux qui craignent et redoutent leur Seigneur par l'invisible lorsqu'ils sont tout seuls, et qui craignent également le jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Certes, tu avertis ceux qui suivent al-dhikr et qui craignent, qui redoutent leur Seigneur lorsqu'ils sont tout seuls. Annonce-leur la bonne nouvelle, annonce-leur le pardon et une grande récompense. Ajrun karim, une récompense généreuse. Et il y a beaucoup de versets qui nous parlent de ceux qui craignent Allah lorsqu'ils sont tout seuls. Maintenant, on va parler de la punition de celui, donc désolé, il y a encore cette faute-là, je l'ai pris dans un autre slide, de celui qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit un hadith qui fait vraiment très peur. Il dit, lorsqu'il s'est trouvé en face de ses compagnons, il leur a dit « Je connais des gens de ma communauté qui viendront le jour dernier avec des hasanettes, des bonnes actions » qui ressemblent à des grandes montagnes blanches. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est détruit et en fait de la poussière. Donc tu viens d'un yawm al-qiyam avec des grandes montagnes, mais malheureusement, elles vont se transformer en poussière. Et des compagnons, ils lui ont demandé, décris-nous, qui sont ces gens, pour ne pas faire partie de ces gens-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, certes, ce sont des gens de votre communauté, ce sont vos frères, qui ont min jildatikum, qui sont de votre sang, de votre peau. Ils font qiyam al-layl, ils se lèvent la nuit pour prier, comme vous. Mais c'est un peuple, lorsqu'ils sont tout seuls devant Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils sont tout seuls devant les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils les transgressent. Donc, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a des gens qui viendront avec des hasanettes, des montagnes de hasanettes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit ces gens-là comme priant la nuit, faire qiyam al-layl. Mais pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il rendra leurs hasanettes, leurs montagnes de hasanettes, il les rendra comme de la poussière. Et ce sont ceux qui, lorsqu'ils se retrouvent tout seuls, ils transgressent les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui, lorsqu'il est seul, il n'arrive pas à craindre Allah, il tombe dans les péchés lorsqu'il est seul, alors que lorsqu'il est devant les gens le pensent, le prennent pour quelqu'un de pieux, il faut qu'il fasse attention, car il peut tomber dans ce hadith et
que tous ces actes, malheureusement, soient Yawm al-Qiyamah, soit que poussière. Donc, on sait qu'il faut faire partie des muttaqin. On sait que les muttaqin, ils ont les pieux, ceux qui craignent Allah, ils ont une grande récompense. On sait que ceux qui ne remercient pas Allah, ils ont une grande punition et tous leurs actes peuvent devenir poussière. Il faut également méditer sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, dans ce verset, les noms qui sont cités directement ou indirectement. Là, par exemple, on peut méditer sur le nom Ghafir, Ghaffar, Ghafour, donc le grand pardonneur, celui qui a le pardon ultime, celui qui a un grand pardon, celui dont le pardon fait partie une de ses qualités qu'il ne quitte jamais. Également, Ash-Shakur, celui qui, le reconnaissant, et en parlant de reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui, lorsqu'on fait un petit acte, il nous donne beaucoup de récompenses. Là, on fait un petit acte qui est en réalité assez difficile, hein, craindre Allah lorsqu'on est tout seul, et lui nous donne quoi? Le pardon. Et il nous donne une très grande récompense sans limite. Al-Karim, le généreux, etc. etc. Il y a beaucoup de noms et attributs d'Allah que l'on peut citer dans ce verset. La mise en pratique. Donc, la mise en pratique, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre la ferme décision de faire bouger nos membres. D'accord? Et c'est le fait de se purifier d'une chose. Tu fais un point sur ce que tu fais lorsque tu es tout seul. Et si tu énumères certains péchés, tu prends la ferme décision aujourd'hui de ne plus faire un péché, le péché que j'ai l'habitude de faire lorsque je suis seul. Lorsque tu es seul, je sais pas, tu regardes des choses interdites. Et bah tu prends la ferme décision à partir d'aujourd'hui, pas demain, à partir d'aujourd'hui, de ne plus regarder ces choses interdites. Tu écoutes des choses interdites lorsque tu es seul, tu fais en sorte. Tu prends la ferme décision aujourd'hui, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider pour délaisser ces choses-là. Je me développe. Donc, lorsque je suis seul, je remarque que je ne fais pas d'adoration. Et bien là, à chaque fois que je vais me retrouver seul, je vais faire de rak'at. Je vais faire la prière. Je vais lire le Coran. Je vais faire du dhikr. D'accord? Donc, je me développe pour pouvoir mettre en pratique ce verset. Ceux qui craignent leur Seigneur lorsqu'ils sont seuls. Craindre leur Seigneur, craindre son Seigneur, c'est délaisser les péchés. C'est le fait de l'adorer. Et le meilleur moment lorsqu'on est seul, c'est Qiyam al-Layl. Donc la nuit, j'essaye de me lever et pour prier, lire du Coran. Et là, je tomberai, Inch'Allah, je ferai partie des gens de ce verset. Je dis Allahu Akbar. Parce que si je dis Allahu Akbar tout le temps, j'ai l'habitude de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que tout. Et je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala me voit quand je suis seul, il m'écoute quand je suis seul, il m'entend quand je suis seul. Donc le fait de répéter souvent Allahu Akbar va te mettre en condition et te formater. Et lorsque tu seras seul et que tu vas dire Allahu Akbar, tu vas dire Allahu Akbar, Allah est plus grand que le péché que je veux faire. Et également donc surtout j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me compte parmi ceux qui le craignent, qu'il me fasse changer, car s'il n'y a que lui qui peut me faire changer. Je ne vais pas changer tout seul, mais c'est mes invocations peut-être qui seront la cause de mon changement si Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Et là, j'aurais mis en pratique le verset. Je serai de ceux qui craignent Allah lorsqu'ils sont seuls, donc je serai une date, qui est la plus petite catégorie, comme on a dit, des gens du Coran. Ensuite, je mémorise le verset. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil-ghayb lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mémoriser le verset, c'est pas difficile car on l'a compris. De son sens général, on a compris ces mots, on a compris qu'est-ce qu'il faut que je mette en application par rapport à ce verset-là, on l'a médité et on l'a mis en application. Donc là, je l'apprends et je fais partie donc d'un fruit qui a une bonne odeur et un bon goût. Et ensuite, j'enseigne le verset, j'enseigne les sens du verset, j'enseigne les mots du verset, j'appelle un de mes proches, je leur dis, j'ai quelque chose à te dire aujourd'hui. Ceux qui craignent leur Seigneur, Allah leur donne une grande récompense. Et craindre son Seigneur, ça veut dire le craindre avec science, ça veut dire savoir qui c'est Allah subhanahu wa ta'ala et le respecter, etc., etc. Et ensuite, tu peux dire, je peux même t'enseigner le verset et tu lui apprends à réciter le verset. Et là, on fait partie des adeptes de ce verset, min ahli hadil ayah. Et on rentre dans le hadith du prophète sallam qui dit, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran,
puis l'enseigne. Et ce qui est voulu, donc, c'est l'essence du Coran et les lettres du Coran. Et on fait partie également de Ar-Rabbani. Des Rabbaniyoun, donc ceux qui sont les savants, qui savent et qui mettent en application. Voilà, donc ce cours est fini. J'espère qu'il vous aura été profitable et que la majorité d'entre nous feront partie des gens de son verset en le comprenant, le méditant, en le mettant en pratique, en le mémorisant et en transmettant l'essence de ce verset. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Surtout, inscrivez-vous à la newsletter parce qu'il va y avoir pas mal de vidéos qui vont être transmises aux abonnés à la newsletter et également page Facebook, Twitter, et abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. والله تعالى أعلى وأعلم.